Je sais pas si c'était clair, mais... Non, mais on va en premier. Action. Tu arrêtes. Tu m'énerves. Tu vas mettre ton manteau, ça fait 2 heures que je t'attends. C'est clair? Bonjour. Manteau. Bonjour. Vas-y, on la refait. Alors, franchement, je garde ça de près parce que je pense qu'on peut grave se taper des barres. Là, je lui dis, tu veux me faire plaisir? Tu veux vraiment me faire plaisir? Bah fais-moi 9 mollets corrects. Après, on en repart, tu vois. Attends, c'est Sophia. Attends. Oui. Mais Sophia. Oui, je suis devant. Je suis atterrée. Atterrée. C'est qui le photographe? J'ai pas entendu, c'est qui le photographe? John Bennett? Un Amerloc? Bah écoute, Sophia, je sais pas quoi te dire. Parle d'un peuple qui tire au fusil sur les tornades pour les faire partir, alors. Puis c'est quoi ce torchon, là? C'est quoi ce torchon? Encore un magazine qui vend de l'air en coupant des arbres. Écoute, mon chaton, le problème, c'est que ce que tu racontes dans l'interview ne va pas du tout avec les photos. Alors, je cite, voilà. Je suis presque antisocial. Rire. J'ai toujours été très timide, je ne me livre pas facilement. Excuse-moi, Sophia, mais les jambes grandes ouvertes en culotte sur le tabouret, ça livre un autre message, quoi. Puis la casquette de policier, mais qui c'est qui faisait le stylisme de ça, là? Écoute, de toute façon... Bébé, ne pleure pas, je t'ai dit de ne pas pleurer. Je vais bien évidemment rattraper la merde comme d'habitude. Vous me faites chier les jeunes, vous me faites chier avec vos séries artistiques à la con. Ça marche pas l'art. Depuis quand l'art ça marche? Et puis ça veut dire quoi l'art? Hein? L'art pour qui? L'art pour John Berrell, hein? Moi je t'ai dit la valeur sûre, c'est Gala, c'est Paris Match. Quoi? Ah tu veux pas te retrouver dans Paris Match? Oui bah excuse-moi, mais Paris Match il t'aurait pas mis la minette à l'air comme ça, hein? Paris Match, je connais, c'est Angelo, c'est mon ami de longue date. Il t'aurait pas foutu un torchon pareil.